ce soir, après presque deux semaines de siège à Ottawa, les camionneurs sous le coup d'une injonction de 10 jours pour faire taire leur klaxon. L'avocate Émilie Taman répond à nos questions. Qui sera le prochain chef du Parti conservateur? On fait le point sur la course qui se dessine avec le député Alain Reyes. Et le premier ministre Justin Trudeau devrait-il en faire davantage pour dénouer l'impasse au centre-ville de la capitale? L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au jour 11 des manifestations qui paralysent la capitale nationale, voilà que le gouvernement Trudeau propose de créer une table de concertation avec l'Ontario et la ville d'Ottawa pour tenter de résoudre la crise. Après avoir déclaré l'état d'urgence hier, le maire Jim Watson a demandé de son côté 1 800 policiers supplémentaires en renfort. Pendant ce temps, aux communes, les conservateurs exhortent le premier ministre à ouvrir le dialogue avec les manifestants. Ils exigent aussi la fin des mandats de vaccination pour les camionneurs. Dr. Tam a dit qu'on doit, que c'est maintenant le temps de réévaluer les obligations vaccinales. Le Dr. Tam, c'est un scientifique, le Dr. Tam, là. Et c'est ce qu'on demande au gouvernement, d'écouter ce que les scientifiques ont à dire. Lorsqu'on a posé la question au ministre de la Santé, est-ce qu'il y a une preuve scientifique derrière ces obligations vaccinales, le ministre de la Santé a dit... Ah! Il n'en a pas parlé, M. le Président, parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique derrière cette obligation vaccinale des camionneurs, M. le Président. Donc, la question est simple. Quand est-ce que les libéraux vont écouter la science et lever les restrictions qui sont présentement imposées aux Canadiens? L'honorable ministre... Monsieur le Président, mon collègue a demandé quand est-ce que le gouvernement va commencer à suivre des avis scientifiques, des médecins et des scientifiques. La réponse, c'est dès le début de la pandémie, oui, Monsieur le Président. Ça. C'est exactement qu'est-ce que nous avons fait. Je sais que ça frustre les conservateurs en face que des centaines de personnes qui crient des insultes sur la colline du Parlement, ça constitue un essai clinique, mais c'est pas vrai, Monsieur le Président. Nous allons suivre des avis des médecins. Il faut qu'ils fassent attention de ne pas mettre des mots dans la bouche de la Dr. Tam. Oui. Et pendant ce temps, un juge de la Cour supérieure de l'Ontario a accordé aujourd'hui une injonction de 10 jours pour empêcher les camionneurs stationnés au centre-ville d'Ottawa de klaxonner. Je retrouve Maître Émilie Taman, une des avocates impliquées dans ce dossier. Bonsoir, Maître Taman. Bonsoir. D'abord, expliquez-nous sur quoi porte l'injonction au juste. L'injonction enjoint tout le monde à la ville d'Ottawa à ne pas klaxonner les klaxons de train ni des klaxons de grands camions de transport. Partout dans le centre-ville, au nord de l'autoroute 417. Bon, on veut donc limiter le bruit le plus possible. Qu'est-ce qui arrive si les camionneurs ne respectent pas cette injonction? Premièrement, c'est important de renforcer que c'est uniquement applicable aux personnes qui ont été informées de l'injonction. Fait que dans ces prochaines heures, pour nous, ça va être très important qu'on informe le plus grand nombre de personnes que possible, parce que ce n'est pas enforçable vis-à-vis des gens qui n'ont pas été informés. Mais pour ceux qui ont été informés, s'ils se trouvent à klaxonner leur klaxon, ils peuvent être arrêtés par la police. Et ils peuvent avoir toute une gamme de punitions, des amendes jusqu'à l'emprisonnement. Des amendes jusqu'à combien? N'importe quel chiffre. Il n'y a pas de limite. Tout. Donc, il va y avoir des conséquences. Vous demandez aussi une somme de près de 10 millions de dollars en dommages et intérêts pour nuisances publiques. Évidemment, ça fait 11 jours que ça dure. Il s'agit d'un recours collectif. Au nom de qui ce recours collectif il est exercé? Pour l'instant, on a une plaignante représentatrice. Elle s'appelle Zaxi Lee. C'est une jeune femme résidente au centre-ville d'Ottawa. C'est une femme énormément brave parce qu'il y avait beaucoup de monde qui ne voulait pas attacher leur nom à ce recours collectif parce qu'ils avaient peur d'être attaqués. Et enfin, c'est vrai que Mme Lee s'est fait attaquer sur les réseaux sociaux. Son numéro de téléphone a été partagé. Il y a toutes sortes de gens qui l'appellent pour l'harceler. Mais c'est quelqu'un de très brave qui veut se tenir debout pour sa collectivité. Et puis, si le recours collectif est certifié comme étant un recours collectif, ça va être de la part de tous les résidents qui habitent à 6 rues du Parlement. Ouais. Et qui est visé par ce recours collectif?
On a quatre individus qui sont qu'on a identifiés comme organisateurs du manifestation. Mm-hmm. Et en plus, on a nommé 60 individus pas connus, étant les camionneurs. Bon. Mike Taman, ça fait 11 jours que ça dure, cette occupation au centre-ville de Ottawa. Est-ce que vous pensez que ces recours devant la justice, ça va faire une différence? On espère que oui, ça envoie un message assez sérieux à ceux qui sont en train de vraiment c'est une forme d'harcèlement. C'est vraiment difficile. Je ne peux pas renforcer assez comment que c'est bruyant pour des gens qui habitent vraiment où ça se passe. Fait qu'on espère que ça va être encore un autre outil pour la police d'enforcer un peu d'ordre dans la collectivité. Et maintenant, l'injonction est effective immédiatement. Fait que c'est dès maintenant, il faut que ça arrête. On verra la différence, effectivement, si différence il y a. Vous parlez de la police d'Ottawa. Justement, le chef de police a demandé aujourd'hui 1800 policiers en renfort après ce qu'on a vu du côté de Québec en fin de semaine. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réponse de la police d'Ottawa à cette crise? Mais je sais qu'ils ont un travail très difficile dans des circonstances assez dynamiques. Je peux juste vous dire ce que moi j'entends des résidents et surtout de ma cliente, c'est qu'ils se sentent absolument abandonnés. Ma cliente a appelé la police presque 15 fois. Elle n'a jamais eu de police qui est arrivée chez elle. Et ça l'a fait peur que si la situation devient plus sérieuse, elle ne sait même pas si elle va pouvoir compter sur la police. Fait que j'espère qu'avec cette annonce, avec des ressources de surplus, que les choses vont changer. Mais jusqu'à maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup dans le quartier qui se sentent abandonnés. Maître Émilie Taman, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir. On revient maintenant sur la course à la direction du Parti conservateur. Un premier candidat s'est placé officiellement sur les rangs en fin de semaine. Il s'agit de Pierre Poilievre, député de Carleton et critique en matière de finances. M. Poilievre a fait son annonce samedi soir sur les réseaux sociaux. En voici un extrait. Utilisant le COVID comme opportunité politique, le gouvernement Trudeau attaque nos petites entreprises, camionneurs et travailleurs. Par ailleurs, il cible les honnêtes chasseurs et agriculteurs, tout en laissant les criminels et les trafiquants d'armes faire ce qu'ils veulent. Voici le problème. Trudeau pense qu'il est votre patron. Il se trompe. C'est le contraire. Vous êtes le patron. Et je serai candidat pour devenir premier ministre afin de vous redonner le contrôle de votre vie. Ensemble, nous allons faire du Canada le pays le plus libre au monde. Et quelques heures à peine après l'entrée de Pierre Poilievre dans la course, le député Alain Reyes a annoncé qu'il quittait ses fonctions de lieutenant en politique des conservateurs au Québec. M. Reyes veut avoir les coups des franges, dit-il, pour pouvoir appuyer un candidat progressiste dans cette course à la direction du parti. Vous le voyez, Alain Reyes est avec nous. Bonsoir, M. Reyes. Bonsoir. Bon, vous n'avez vraiment pas perdu de temps pour quitter vos fonctions de lieutenant du Québec. Vous voulez pouvoir appuyer, vous êtes un candidat progressiste dans la course à la direction. Vous ne voulez pas rester neutre. Donc, juste pour être clair au départ, là, pas question pour vous d'appuyer Pierre Poilievre. Non, ça n'a aucun lien, ma décision d'annoncer cette fin de semaine que je voulais me retirer de mes fonctions pour m'impliquer dans cette campagne n'est pas une réaction à la sortie de Pierre Poilievre. Je ne savais pas quand il le ferait, il ne m'a pas informé. C'est tout à fait normal, mais j'ai fait le choix après la sortie d'Erin O'Toole, du vote de confiance, les derniers éléments qu'on a eu à l'intérieur de notre parti m'ont fait réfléchir à l'idée de dire les progressistes conservateurs à l'intérieur de l'organisation devraient avoir une voix, devraient pouvoir se faire entendre comme les autres franges de notre organisation, et je voulais avoir les coups des franges pour m'exprimer, pouvoir appuyer un candidat, puis pas juste l'appuyer dans l'espace public, mais aussi travailler à l'aider à gagner. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez du seul candidat en liste jusqu'à maintenant, M. Poilievre, dans cette course? Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Pierre Poilievre? Pierre Poilievre, je le connais, ça fait 6 ans que je travaille avec lui. C'est un homme extrêmement intelligent, c'est un orateur, bien, comme les gens qui suivent la colline parlementaire le savent, extrêmement performant. à la limite, des fois, le terme pugnace, là, difficile, passionné. C'est quelqu'un qui aime parler des enjeux économiques, ce qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on a des opinions qui convergent.
Mais il y a d'autres enjeux aussi qui m'interpellent. Toutes les questions des enjeux sociaux à l'intérieur de notre organisation, d'autres enjeux au niveau environnemental que j'aimerais pouvoir échanger pendant cette course. Donc, ce que j'envoie comme invitation par ma déclaration que j'ai faite en me retirant de mon rôle de lieutenant politique et aussi du cabinet fantôme dans le dossier de deux langues officielles, c'est de dire, ben moi j'ai envie de m'impliquer, je l'ai fait avec Andrew Scheer, j'ai décidé de ne pas le faire avec Erin O'Toole, mais je pense que le parti est rendu à la croisée des chemins. Mm-hmm. On doit trouver une façon d'unir tous les conservateurs au pays, comme l'ont fait Stephen Harper et Brian Mulroney, qui ne sont pas du tout dans le même spectre politique, mais qui ont réussi à unifier par leadership tous les conservateurs autour. Puis je dis souvent aux gens qui m'écoutent, les conservateurs progressistes ont le droit de s'exprimer. Souvent, plus sociale, eux, mm-hmm. se gênent pas pour donner leur opinion. Puis nous, on est plus discrets, plus modérés, on s'acclimate à toutes les situations. Aujourd'hui, moi, je dis, il faut être fier de ce qu'on est, puis il faut être capable de s'exprimer dans notre grande famille. Vous dites, justement, vous allez appuyer un candidat progressiste. Il y a plusieurs noms qui circulent. Vous avez vous-même contacté l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Est-ce que M. Charest s'est montré intéressé? Il n'a pas été clair comme ça, mais je pense qu'il a été intéressé d'écouter un peu plus longuement la conversation que j'avais à lui faire. Et mon intérêt, moi, c'était de voir, pas juste pour M. Charest, il y avait d'autres personnalités aussi connues qui ont fait savoir, ou en tout cas qu'on entend parler qu'il y a des discussions ou qui prennent le pouls. Je pense à Tasha, la chroniqueuse Keredin. Je pense à Peter McKay, je pense à Patrick Brown particulièrement, Vincenzo Guzzo, l'homme d'affaires dans le secteur du cinéma. Donc, c'est toutes des gens qui ont quelque chose à partager, qui sont préoccupés par l'avenir du Parti conservateur. Donc, je voulais savoir est-ce que M. Charest, étant donné sa situation, pouvait être quelqu'un qui aurait de l'intérêt afin de voir, moi, de mon côté, dans les organisateurs que je connais dans mon réseau de contacts, comment la réception pourrait être. Donc, M. Charest, j'imagine, réfléchit présentement, reçoit des appels de toutes sortes. Ça reste un politicien aguerri. Je pense qu'il a fait ses preuves depuis pendant ces années, tant au fédéral qu'au provincial, et qui serait naturellement un adversaire redoutable pour un Justin Trudeau dans un débat des chefs dans l'élection. Bien, justement, au-delà des noms qui circulent comme M. Charest, comme d'autres, quel style de chef ça prendrait pour diriger le Parti conservateur d'aujourd'hui? Bon, tantôt, on parlait de ce qu'il y avait dans ma déclaration. Pour moi, ça prend un chef progressiste, ça prend un chef de centre-droit économique. Naturellement, quelqu'un qui est capable d'unifier les troupes, capable de les rassembler autour d'un objectif, qui est l'objectif ultime, c'est de gagner la prochaine élection et de battre Justin Trudeau. Ça prend aussi, pour moi, clairement, quelqu'un qui s'exprime très bien dans les deux langues officielles mm-hmm. pour nous permettre de parler à tous les Canadiens, non pas juste au Québec, il y a aussi une trentaine de circonscriptions au pays où il y a beaucoup de francophones qui se sentent souvent délaissés. On le voit, ce qui se passe un peu au Nouveau-Brunswick en ce moment. Et cette personne-là, je crois qu'elle existe et il faut les solliciter, il faut leur montrer qu'ils seraient appréciés s'ils décidaient de se lancer dans la course pour alimenter le débat que nous avons, qui, à mes yeux, n'est que l'unique solution que nous avons, c'est d'agrandir notre tente conservatrice pour accueillir le plus de Canadiens qui seraient intéressés à voter pour nous. Puis c'est à ça que j'ai le goût de travailler dans les prochaines semaines avec mes confrères. Oui. Si jamais c'est Pierre Poilievre qui gagne la course à la direction du Parti conservateur, qui devient chef, parce que, bon, il est le seul en lice et on dit que plusieurs déjà députés l'appuient, est-ce que vous allez rester, vous, au Parti conservateur, travailler avec lui? Est-ce que vous seriez capable de faire ça? Ben oui, clairement. Là, je travaille déjà avec Pierre. C'est un homme très, très bon. Moi, je suis pas en guerre. Hein. Certains ont essayé de créer un genre de fight là entre deux clans dans le parti. Je suis vraiment pas là présentement. Je suis plus quelqu'un qui veut contribuer de façon constructive. Je veux faire entendre la voix des progressistes qui est trop souvent, à mes yeux, silencieuse ou modérée, que de la misère à peut-être s'affirmer autant qu'on le devrait et à faire comprendre notre vision des choses comme les autres franges du parti le font. Et je suis vraiment là présentement. Puis si ce débat-là peut faire en sorte qu'ultimement Pierre Poilievre gagne et ça lui a permis de préciser ses positions qui vont lui permettre de gagner une prochaine élection pour en agrandissant la tente conservatrice, ben parfait, on aura fait notre travail à ce moment-là. Et je suis vraiment dans cet esprit-là. Je suis pas dans un esprit de confrontation, loin de là, mais plutôt dans un esprit de trouver une piste de solution. On a raté en 2019 notre coup. On a raté en 2020.
et je pense en 2021. Et je pense qu'on a cette obligation d'offrir une solution de rechange à la population. Sinon, on va se ramasser face à un déficit démocratique où les gens pourraient, s'il y avait une division à l'intérieur de notre organisation, se ramasser avec seulement une option pour gouverner, ce qui, à mes yeux, serait catastrophique démocratiquement. Bon, le temps file, Alain Reyes. Je veux vous entendre sur le siège des camionneurs et des manifestants anti-mesures sanitaires qui paralysent depuis maintenant 11 jours le centre-ville d'Ottawa. On a vu des députés conservateurs appuyer les manifestants. C'est le cas, justement, de Pierre Poilievre. Andrew Scheer l'a fait. D'autres députés également qui sont pris en photo avec les manifestants. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça, de ces appuis des députés conservateurs aux manifestants au centre-ville d'Ottawa? Je pense que je fais une distinction entre le départ de la manifestation où les gens avaient des revendications tout à fait légitimes, qu'ils souhaitaient s'exprimer comme tout citoyen canadien. Mais là, je pense qu'on est rendu à un stade où le message a été entendu. Là, il y a la population qui est prise en otage. Bon, je travaille à la colline, je suis dans mon bureau en ce moment, on entend encore des klaxons. Ouais. Ça peut devenir assourdissant, je pense aux gens particulièrement le soir. Je fais partie un peu comme M. Poilievre, Pierre Poilievre, excusez, qui a dit, bon, il est peut-être temps que ça l'arrête et je fais partie de ceux-là. Donc, on a entendu, j'étais tout à fait ouvert, j'ai même marché, moi, dans les rues pour venir prendre le pouls. De façon très discrète pendant le premier week-end, première fin de semaine, pour voir comment ça se passait. Les gens étaient très respectueux. On avait beaucoup de craintes de dérapage, de débordement. Il y en a eu quelques-uns qui ont entaché, je pense, le message de certains, mais les policiers ont tenté du mieux qu'ils ont pu. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on est en face d'un premier ministre qui est caché et qui aurait tout intérêt à faire preuve d'un peu de leadership. Puis je fais le parallèle à ce que moi, j'ai déjà vécu comme maire, lorsqu'il y a eu la manifestation étudiante dans ma municipalité, s'il avait fallu que je reste caché chez moi au lieu de faire preuve de leadership, aller sur le terrain. Entre-temps, chez les conservateurs, oui, mais entre-temps, chez les conservateurs, Alain Reyes, vous avez d'un côté Pierre Poilievre qui appuie les manifestants, de l'autre, vous avez Pierre Paulus qui les décrit. Est-ce que ce n'est pas un bon exemple, en fait, des différences majeures qui existent au sein du Parti conservateur actuellement? Est-ce qu'on n'est pas en présence de deux visions qui s'opposent et qui sont irréconciliables chez les conservateurs? Non, mais il y a différents enjeux. On a des opinions qui sont différentes. Chacun est redevable de ses citoyens dans sa circonscription. Dans ce cas-ci, il y a eu peut-être un imbroglio au début entre l'appui au convoi, l'appui au fait que les gens avaient le droit de s'exprimer librement pour faire part de leur incompréhension. Puis aussi, il faut savoir, et je pense que les gens l'ont constaté, au départ, on est parti d'un enjeu. Puis à la fin, c'est devenu un fourre-tout de toutes les préoccupations d'un paquet de monde. Il y avait des craintes de dérapage, comme je l'ai dit. Mais là, bon, on est comme vous l'avez bien mentionné, on est rendu à 11 jours. Je pense que tout le monde au pays, puis même à travers le monde, est conscient que le message a été passé. Il est temps que les citoyens d'Ottawa retrouvent leur tranquillité. Puis je fais partie de ceux qui pensent que ça devrait arrêter. Puis j'invite le premier ministre à travailler avec les services policiers pour qu'on puisse retrouver de la quiétude sur la colline parlementaire. Puisse revenir à la vie normale. Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Arthabaska, ex-lieutenant du Québec pour les conservateurs. Merci beaucoup. Certainement qu'on aura l'occasion de se reparler de cette course au leadership dans vos troupes. Merci. Un plaisir. Bonne journée. Et je poursuis l'analyse avec nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. C'est pas les sujets qui manquent. Depuis qu'on s'est vu la semaine dernière, les événements vraiment ont déboulé. D'abord, sur le siège du centre-ville d'Ottawa, on est toujours 11, la crise. Ottawa qui propose de créer une table de concertation fédérale, provinciale et municipale. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse du gouvernement Trudeau? C'est pas une mauvaise idée. Effectivement, il faut impliquer tous les paliers de gouvernement. Puis c'est un peu ça l'enjeu, c'est que c'est un problème qui est très local et provincial. Les gens sont contre les mesures sanitaires, mais c'est les provinces qu'ils ont mis en place. Mais les demandes sont formulées auprès du gouvernement fédéral. Donc c'est un petit peu ça qui accroche. Et donc si on dit on fait une table de concertation, en même temps on pourrait amener d'autres provinces parce que le problème s'étend à travers le Canada. Ben là oui, on pourrait réfléchir un peu plus à la réponse. Mais je persiste à croire que c'est un problème qui est fondamentalement provincial et municipal. Ouais. Je vois moins le rôle du gouvernement fédéral dans ça.
Et je comprends les partis d'opposition d'insister pour que Justin Trudeau prenne la parole, mais en même temps, je comprends Justin Trudeau de ne pas prendre la parole pour pas porter sur ses épaules le fardeau de cette crise-là. Daniel, chez les conservateurs, bon, on a vu des députés évidemment appuyer des manifestants, se prendre en photo avec des manifestants. On demande aussi la fin de la vaccination obligatoire pour les camionneurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction du côté des conservateurs? Ben, c'est une réaction risquée parce qu'on ne sait pas comment ça va finir, ce siège d'Ottawa. Et puis, bon, les demandes des organisateurs du convoi, en tout cas, sont assez radicales. Hein? On veut que la gouverneure générale renvoie Justin Trudeau et qu'on abolisse le Parti libéral du Canada. Donc, ça va quand même assez loin. Donc, on comprend pourquoi le premier ministre ne veut pas rencontrer certainement les organisateurs du convoi. Pour ce qui est des conservateurs, je pense qu'il y a toujours une peur chez eux que des événements comme ça aident, moussent la popularité du Parti du peuple de Maxime Bernier. Et donc, on ne veut pas rester derrière, si on veut, et ne pas montrer qu'on est aussi, bon, pour les libertés individuelles et tout. Mais il y a un risque que les gens pensent que les conservateurs sont... sont passés dans le camp de ceux qui sont sceptiques envers les mesures de santé publique. Et donc, ça peut envoyer des signaux contradictoires. Ouais. Et aussi, je pense que c'est une source de risque. Si jamais ça tournait mal ou qu'il y avait d'autres, on apprenait d'autres choses de, quand même sur les organisateurs qui sont quand même, bon, ils ont souvent des idées assez radicales. Ouais. Ils sont financés aussi en partie par des gens qui vivent à l'extérieur du Canada. Alors, il y a plusieurs questions qui restent sans réponse. Geneviève, vous disiez il y a un instant, au fond, le problème de manifestation, c'est le problème des provinces. Est-ce que, justement, le premier ministre Doug Ford a l'air de s'en laver les mains de ce qui se passe à Ottawa? Il y a eu une déclaration hier soir assez étonnante de sa ministre de la Justice, Sylvia Jones, qui a dit la chose suivante, qui a félicité la ville de Toronto pour avoir bien géré la crise en fin de semaine et qui a tapé sur les doigts de la ville d'Ottawa en leur disant « vous pourriez faire plus ». Enfin, j'abrège là. Donc oui, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial s'intéresse à ce qui se passe, suit ça attentivement. Monsieur Ford, ben, c'est embêtant, un peu comme Daniel vient juste de le dire, lui aussi, il a sa base qui peut-être frais avec ces groupes-là, donc il peut pas trop se les aliéner. La semaine passée, il avait dit « je supporte les camionneurs » pour ensuite dire plus tard « mais je suis pour la vaccination ». Donc pour lui aussi, en tant que chef de parti conservateur, c'est un petit peu plus délicat là en termes de gain de popularité. Il faut pas oublier que l'élection, c'est le 2 juin prochain en Ontario, donc ça aussi, ça peut venir un peu brouiller les cartes. Donc, M. Ford, comme M. Trudeau, à mon avis, joue de prudence, mais n'hésitera pas à intervenir, j'ai l'impression, quand la situation va le demander. D'où cette table de concertation à trois paliers qui, sans doute, va aider tout le monde. Ouais. Donc, je ne serais pas surprise que ça aille de l'avant. Oui. Daniel, juste pour conclure sur les manifestations, 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut penser des trois paliers de gouvernement qui se renvoient la balle comme ça, alors que la police d'Ottawa est visiblement dépassée par les événements, surtout quand on compare avec ce qui s'est passé en fin de semaine à Québec? Oui, mais je pense que la police d'Ottawa a mal fait son travail. Je pense que il va y avoir des comptes à rendre une fois que la crise est terminée, parce que vraiment, c'est la capitale fédérale et on n'est pas capable de vraiment de contrôler comme ça, d'en venir à bout. Je pense qu'il faut regarder ce que les autres villes, je pense, ont déjà, comme Québec, les villes ont appris des erreurs d'Ottawa, mais il va falloir vraiment enquêter là-dessus parce que ça a été vraiment mal géré. Oui. Bon. L'avenir va nous dire sur la gestion de cette crise. Je veux vous entendre sur la course à la direction du Parti conservateur. Un candidat de déclaré jusqu'à maintenant, c'est Pierre Poilievre. Geneviève, est-ce que M. Poilievre se dirige vers un couronnement? Ça serait très surprenant, puis si c'était le cas, ça serait une très mauvaise nouvelle pour le Parti conservateur, parce que ça voudrait dire qu'ils sont pas capables d'attirer d'autres candidatures importantes pour faire face à M. Poilievre. Aussi, ce que je dirais, c'est que M. Poilievre, oui, il semble bénéficier il y a tous les projecteurs sur lui en ce moment, il semble avoir beaucoup d'appui, mais c'est facile d'aller chercher la base déjà motivée avec le discours de M. Poilievre. Ça va beaucoup être plus difficile d'aller chercher les derniers délégués restants qui vont lui assurer le 50% plus 1 pour gagner la course au leadership. Donc, je me méfie beaucoup de l'engouement qu'on voit en ce moment et je serais vraiment étonnée qu'il soit le seul.
Et je prédis qu'on va avoir une course à plusieurs. Et je ne serais pas surprise même que les règles pour se lancer à la course à la chefferie soient moins sévères que la dernière fois. La dernière fois, on avait reproché que c'était trop restrictif. Donc, il y avait eu jusqu'à 4 candidats. On ne voulait pas retourner à la fois d'avant avec 14, là, mais il y a comme un juste milieu. Parce que, Daniel, bon, les spéculations, évidemment, vont bon train. Il y a d'autres noms qui circulent. Jean Charest, Peter MacKay, Patrick Brown. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tous ces noms qui circulent? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, Peter MacKay, là, ça, la dernière fois, il a échoué, puis il semble que le vent au sein du parti vraiment tourne dans une direction différente, vraiment souffle dans une direction différente. Après Erin O'Toole qui essaie de recentrer le parti durant la dernière campagne fédérale, j'ai l'impression que ça serait difficile pour Peter MacKay d'essayer à nouveau, surtout qu'il y a encore des dettes à payer, je pense, de ce qui s'est passé en 2020. Mm-hmm. Il est encore en train de payer la facture. Pour ce qui est de Jean Charest, on en a parlé la dernière fois en 2020 aussi. Finalement, il ne s'était pas présenté. S'il le fait cette fois-ci, écoutez, ça va vraiment à épicer la course, ça c'est certain, parce qu'il y a un contraste quand même énorme avec Pierre Poilievre, mais les deux sont bilingues, mais Jean Charest est vraiment, il vient du Parti progressiste conservateur, alors ça serait quelqu'un qui aurait peut-être des chances, mais en même temps, la base, surtout dans l'Ouest, là, je ne sais pas comment il réagirait face à quelqu'un comme Jean Charest, mais ça serait intéressant de l'avoir dans la course. Patrick Brown, peut-être. Il va falloir voir au-delà du caucus conservateur, justement, s'il y a des gens un peu qui ne pourraient pas créer la surprise en se présentant, des gens qui ont une notoriété publique comme Patrick Brown ou Jean Charest, parce que jusqu'à maintenant, c'est sûr que Pierre Poilievre est considéré comme étant en tête de la course, non seulement parce qu'il est seul officiellement qui a dit qu'il se présenterait à la succession d'Erin O'Toole, mais aussi parce que son approche semble vraiment plaire à la base du parti en ce moment. Surtout après Erin O'Toole, ça serait un contraste quand même important. Il a un pied dans l'Ouest, il est originaire de l'Alberta, mais il est en Ontario. Alors, il mange pas ses mots dans ses attaques contre les conservateurs. C'est bien pour la base, les membres actuels du Parti conservateur, il y en a beaucoup qui aiment ça, mais si on pense à quelqu'un qui pourrait aller battre Justin Trudeau lors des prochaines élections fédérales, on pourrait se poser des questions sur Pierre Poilievre et est-ce qu'il pourrait attirer beaucoup de votes des gens qui sont plus près du centre, par exemple? Geneviève, je vais terminer avec vous. Il nous reste quelques secondes parce que Daniel parle justement de Justin Trudeau. En fait, on peut se demander, il y a eu beaucoup de spéculations au moment où M. Trudeau s'est fait élire une deuxième fois minoritaire à la dernière élection. Combien de temps il allait rester? Deux ans, trois ans? Est-ce que finalement il y aurait un mandat de 4 ans compte tenu de l'état actuel des choses? Est-ce que cette crise chez les conservateurs, cette course à la direction là, qui se prépare, finalement ça vient donner 4 ans à Justin Trudeau pour se préparer à la suite des choses ou pour préparer la suite des choses, que ce soit lui-même se présenter à une quatrième élection ou encore préparer sa succession? Oui, ça vient de rallonger l'horizon temporel des libéraux, c'est certain. Puis effectivement, je vais être présente un peu comme vous, que ce soit Justin Trudeau ou que ce soit quelqu'un d'autre, ça va les aider. Par contre, le danger qui guette et le danger qui a toujours guetté les libéraux, c'est un peu la paresse qui s'instaure parce que l'opposition est affaiblie. Alors, si on se dit il y a moins de menaces qui vont venir de la droite, ils sont en train de se diviser, s'entre-déchirer, on a l'impression que les libéraux décident alors à ce moment-là de ne plus faire l'exercice intellectuel pour se battre et combattre pour rester au pouvoir, puis d'amener des propositions intéressantes. Alors, il va falloir aussi guetter ça. C'est une bonne nouvelle, mais je voudrais une bonne nouvelle avec un « mais ». Il faut être prudent. C'est pas parce que ça semble facile que ça va nécessairement être facile. On le sait d'ailleurs, hein, tout peut changer très rapidement en politique. Ouais, c'est moi, et donc, il faudrait se méfier de la chicane chez le voisin parce que ça pourrait éventuellement venir nous préroser à nous des problèmes. Là, je parle, c'est comme si j'étais libérale, mais c'est pas le cas. Geneviève et Daniel, on a compris, vous parliez des libéraux. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci, on se retrouve bientôt. Bye-bye. Merci. Bonne soirée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 7 février sur la colline parlementaire à Ottawa, toujours assiégée. Esther Méchin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.